Bon, mais bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je continue la petite vidéo donc de la dernière fois que j'avais réalisé donc sur la sorgue où j'avais pris un poisson au toc. Alors du coup pour la monture, on reste sur du très classique avec mon Rigoletto. Du coup après j'ai fait une émerie en baril donc pour attacher le bas de ligne qui est assez quand même relativement épais. Donc avec je crois que c'est du 16 centième en bas de ligne. Du coup j'ai fait une plombée progressive. Donc je regardais un petit peu le niveau des eaux, donc bon c'est pas quand même super profond ou autre. Donc voilà, j'ai mis que 3 plombes. Et du coup voilà, on va pêcher au ver de terre. Donc voilà, je vais chez mon hameçon et puis c'est parti. C'est compliqué, on le sait. Là, il y en a une. Allez, comme vous venez de voir, je viens de prendre un joli petit poisson là dans ce courant. Là, il doit faire, je sais pas trop, il doit faire 25-26 cm facile. Un très joli poisson que je n'ai pas du tout abîmé. Donc c'est l'avantage aussi de la pêche au toc. Hein. C'est vrai que je l'ai piqué en bord de gueule. Donc voilà, il va repartir tranquillement, sereinement dans cette jolie rivière. Hop là! Allez, super, ça fait vraiment plaisir. Et là aujourd'hui je me retrouve sur une petite rivière pas très loin de la Sorgue non plus, où je vais pêcher au Rio Quiveron, donc au leurre en particulier et plus spécialement le Rio Quiveron. Donc c'est un petit peu mitigé le temps, une fois il fait beau, une fois il fait pas beau, donc on va essayer de voir si on peut faire quelques poissons. Et je vous ferai le bilan de la journée tout à l'heure. Allez, c'est parti. Allez, on va attaquer avec ce bel endroit. C'est un joli coin par ici. Après c'est vrai qu'une fois il fait beau, une fois il fait pas beau, donc c'est un petit peu bizarre le temps, c'est mitigé, mais on va se barrer par ici. C'est parti.
parti pour la remise à l'eau du coup. Allez, on va continuer sur cette jolie petite rivière. Et...